Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le remplissage du bullet journal. Qui commence à se faire épais, hein, mine de rien. Alors ça c'est fait. Ça c'est fait. Ok. Alors, je n'ai pas lu hier soir. Aujourd'hui, donc nous sommes le 11. Ça me fait pas fait penser que j'ai pas collé mon petit chat de pleine lune là. Donc le 11, on est le 11, c'est sûr. Jeudi 11, c'est ça. Donc, quoi dire aujourd'hui? Rien de spécial. Donc, c'est très bien. Très bien, très bien. Alors, le sommeil, j'étais cramée hier soir. Hein, forcément, c'est la fin de la semaine. Donc, 22h, 5h30. Voilà. Pas de sport, pas de lecture, pas de création. Ça, on peut mettre oui. C'est pas vraiment mon site internet, mais c'est des choses que je vous ai mis d'avance sur YouTube que j'ai programmées. Des petites phrases du jour, c'est nouveau. Tcha-tcha-tcha, voilà. Ici. Donc ici, eh ben qu'un fruit hein, encore, hein. Bleu ou vert. Voilà. Et deux légumes. Hier c'était trois. Tiens, je vais changer. Je vais mettre trois parce qu'hier j'ai mangé des haricots verts. Ça va changer de couleur comme ça. Orange. Ah bah c'est du rouge. Si je mets du jaune avec, ça devrait faire du orange, non? C'est magique. Donc, au niveau des chakras, mon petit homard, il est là. Cultivé à gratitude. Donc, j'ai rempli mon arbre à gratitude. Donc, je l'ai rempli avec des mots, puisque voilà, du coup, j'avais pas beaucoup de place. Donc, j'ai mis paix intérieure, épanouissement, relaxation, santé, détente, vitalité, joie, sourire, merci pour ce beau voyage, plénitude, bonheur, sérénité, équilibre, allégresse, énergie, bien-être, détente. Et j'ai mis, c'est la somme des petits plaisirs quotidiens qui ensoleillent notre vie. Le bien-être n'est pas un but à atteindre, mais un état d'esprit à cultiver chaque jour. Amour, chaque sourire échangé est une note de bien-être ajoutée à notre symphonie intérieure. Le bien-être est le fruit savoureux de l'harmonie entre l'esprit, le corps et l'âme. Voilà, j'ai rempli mon arbre à gratitude. Donc j'ai commencé à rassembler mes... Attendez que je... tendre le bras, mais tous mes tickets de voyage et tout ça là, donc je pense que je vais faire parce que tous les jours j'ai enregistré comment dirais-je en 1 minute ou deux ce qui s'était passé dans la journée quand j'étais en Italie, donc je pense que là je vais coller mes petites entrées là, mes petites choses, mes petits souvenirs, et en dessous je mettrai ce qui s'est passé dans la journée. Voilà, mais ça, je pourrais pas le faire aujourd'hui. Donc, demain, on est sur le chakra de la gorge. Donc, est-ce que ça va être possible? Demain, quel jour? Vendredi. Alors, libérez vos émotions. Posture du nanan. Si je dis nanan, ça vous dit pas. Hein. Posture du yoga de la chandelle. Écouter vraiment avec attention les autres, tenir ses promesses, pratiquer une activité artistique, écrire, écouter de la musique, porter un collier lapis-lazuli.
Ah, bah non, j'en ai pas. Et chanter des chakras. Bon, ben, on verra demain, j'en sais rien. Je vous fais plein de... Attends, bah, attendez, du coup, j'ai pas colorié. J'ai au moins fait ma gratitude aujourd'hui. Pour les autres choses, c'est pas toujours facile, hein, quand on travaille. Voilà, si j'ai mangé des aiguës. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à plus tard. Salut, salut!